Seigneur Jésus, je ne peux vivre sans toi, je ne peux rien faire sans toi. C'est de toi que je veux parler. Qui mieux que ton esprit est capable de parler de toi? Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes mains, esprit, âme et corps. Et je prie que ton esprit parle à ma place et que quelqu'un reçoive sa réponse ce matin par un qui va changer sa vie pour toujours. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que je sais que tu es déjà à deux. Merci Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de ta touche. J'ai besoin de ta touche. Touche mon esprit, touche mon âme, touche mon corps. Totalement. Ce matin encore, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Je voudrais que tu sois comme Marie. Pose-toi. Reste-toi digne. Avec que Jésus lui-même vienne te visiter. Alléluia. Nous sommes dans le thème du mois qui dit engager une relation durable avec Jésus, la parole qui produit l'élévation. Je crois que je n'ai plus à convaincre personne sur le fait que, comme Jean 1 le dit, rien ne peut être fait sans la parole, c'est-à-dire Jésus. Quand rien ne peut être fait, c'est rien. Tu ne vas pas dire amen. Amen. Quand il dit rien, c'est que c'est rien. Quelqu'un m'entend. Amen. Ça veut dire que, quel que soit le défi qui est devant toi maintenant, parce que nous avons des défis, et il nous faut des défis. Dis amen avec moi. Amen. Si tu n'as pas de défi, on ne peut pas t'appeler champion. Or, nous sommes appelés à être champions. Amen. Nous sommes appelés à être vainqueurs. Amen. Nous sommes appelés à être victorieux. Amen. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Il faut qu'il y ait des challenges. Mais Dieu te dit ce matin que sans sa parole, tu ne pourras pas relever, notamment le challenge de l'élévation. Christ a été élevé, la Bible nous enseigne que nous sommes positionnés en lui, dans les lieux célestes. Nous sommes encore sur cette terre, mais notre position spirituelle est en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors notre condition sur cette terre doit suivre cette élévation. Et la Bible nous dit, si tu te sanctifies, tu as accès à Dieu. Si tu obéis, Dieu t'élève. Si tu crois, il te maintient dans l'élévation, il te dit ce qui va produire, il s'appelle Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais ce Jésus-là dont je parle, qui dit lorsque je viens, je ne retourne pas à mon Père sans effet. Amen. Je prie ce matin que Jésus, la parole, vienne ce matin dans ta vie et qu'il ne retourne pas à Dieu sans avoir produit le changement que tu attends. Amen. Que tu ne m'as pas dit amen. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Je suis porteur d'un mandat qui est écrit sur le mur. Si tu crois, ça va se faire. Amen. Si tu ne crois pas, ça ne se fera pas. Amen. C'est aussi simple que ça. Alors je dis ce matin que Jésus puisse te visiter amen. Et qu'il ne retourne pas sans avoir produit le changement escompté. Tu crois, dis amen avec amen. Moi. Ce Jésus, nous avons vu, ne veut pas seulement donner l'élévation. Il veut être ton élévation. Amen. Oh, tu m'as pas donné. Amen. Je prie ce matin que ton intelligence s'ouvre. Amen. Si ton intelligence s'ouvre, ce sera tellement simple. Ton amen produira déjà la chose. Amen. Nous avons parlé d'un monsieur qui s'appelle Pierre. Le secret que Dieu nous donne dans cette église, pour que une fois pour de bon, nous prenions notre envol. Le secret est simple et se trouve dans Jean 21 que nous avons lu. Et Jean 21, c'est Jésus qui pose une question à Pierre. Et il lui dit, m'aimes-tu plus que même ceci? Le temps n'est plus aux gens qui courent après Jésus uniquement pour les bénédictions. Le temps est à avoir une relation d'amour avec Jésus lui-même. Amen. Ça commence par sa parole. Jésus, je l'ai dit dimanche, te demande, est-ce que tu m'aimes plus que le pasteur Geoffroy? Est-ce que tu m'aimes
La clé, mon frère, ma soeur, de ces derniers temps, la clé qui fera que tu ne lâcheras pas la foi, que tu n'abandonneras pas la foi, parce que beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont lâcher prise. La clé, ce n'est pas de chercher la bénédiction, mais c'est de chercher celui-là qui se laisse encore trouver, qui donne la bénédiction, qui s'appelle Jésus. Et pour cela, il faut l'aimer. Il n'y a pas d'autre choix. Si tu ne l'aimes pas, tu abandonneras. Je te le dis. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour ça. Si tu as Pierre, m'aimes-tu? Parce que Pierre, pour être élevé, va être confronté à la difficulté. Et même dans son élévation, va être confronté à la souffrance. Mais l'élévation que Dieu lui a donnée l'a placé au-dessus des difficultés, au-dessus des problèmes, au-dessus de la crucifixion, au-dessus de tout. Les temps ne sont pas juste « je suis béni ». Les temps sont « j'aime Jésus ». J'aime Jésus. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour faire la joie de ce Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui dit même tu. Il n'a pas dit aimes-tu mes bénédictions, aimes-tu les miracles. Il dit même tu. Nous avons compris que Jésus veut absolument que nous ayons une relation particulière avec lui comme parole révélée, manifestée, glorieuse de Dieu. Alléluia. Et cette relation, je l'avais décrite, comme je suis pasteur, je fais un petit rappel pour les absents. Cette relation avec l'amour au centre a d'autres aspects. Nous avons dit, ce que Jésus veut de toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses le reconnaître, le valoriser comme Dieu. Deuxièmement, ce que Jésus veut, c'est que tu puisses l'accepter. Accepter tout ce qu'il dit, tout ce que sa parole dit. On ne choisit pas. Dis à ton voisin, tu ne choisis pas. Non seulement tu acceptes tout, tu acceptes aussi les effets. Dis-lui, tu dois accepter les effets. Quand la parole de Dieu sort, elle peut te fortifier, elle peut t'édifier, elle peut t'encourager, mais elle peut te corriger. Amen. J'ai entendu ce matin le bishop Olivier dire, oui, la parole de Dieu est là aussi pour corriger. Donc, cette relation, j'aime mes enfants, donc je peux les corriger. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui aime bien, il châtie. Donc, la relation, c'est d'accepter que Jésus te corrige. Ton sale caractère, ta rébellion, ton entêtement. Il y a des gens très têtus ici. Mais quand Jésus parle, tu acceptes la correction. Amen. Dis amen avec moi. Amen. L'autre aspect, c'est que tu dois croire, coûte que coûte. Alléluia. Amen. En croyant, l'autre aspect, tu dois obéir. Amen. Quand tu obéis, tu es capable d'utiliser la parole que Dieu te donne. Voilà pourquoi tu peux dire au nom de Jésus-Christ, porte, ouvre-toi devant moi. Amen. Dans cette relation, tu dois être capable de savoir quand Jésus te parle, est-ce que c'est maintenant ou c'est pour demain. Amen. Alléluia. Amen. Mais le point central, cette relation, c'est nouer une relation d'amour avec Jésus. Et dimanche dernier, j'ai défini ce que c'était aimer Dieu, aimer Jésus. J'ai dit que aimer Jésus, c'est accepter, réaliser que Jésus est Dieu. Il faut que ce soit clair. Je peux me fâcher avec toute la terre entière, je dirai que Jésus est Dieu. Et je suis prêt à mourir pour ce Jésus-là. Face aux musulmans, face aux bouddhistes, face à quiconque. Parce que l'Esprit de Dieu atteste en moi que Jésus est Dieu. Je suis prêt à m'offrir. Tu dois accepter. Va. Tu dois, c'est ça. Deuxièmement, aimer Jésus, c'est avoir une relation avec sa parole. C'est-à-dire, tous les jours, tu dois être en contact avec la parole de Dieu. Tous les jours, tu dois obéir à sa parole. Il nous a dit,
Celui, Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il n'y a pas tergiversé. Chaque fois que tu refuses d'obéir à un verset dans la Bible, tu détestes Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand je parle, je prépare les sœurs au mariage. Les sœurs là, bien gonflées parce qu'elles sont diplômées plus que leur mari. Bien gonflées qui bombent la poitrine. Je dis la Bible dit sois soumise. Je ne dis pas autre chose, je dis juste c'est pour ton mariage. Pour ton mariage, je n'ai pas dit autre chose. Juste ça. Tu veux la clé. La Bible s'est écrite noir sur blanc. Sois soumise. Donc à chaque fois que tu refuses d'obéir à cette parole, tu détestes Jésus. Donc ce n'est pas la peine de venir lever tes mains ici. Je lève mes mains pour t'adorer. Oh, oh. Tu pleures même. Tes pleurs, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Oh, quelqu'un va regarder qui n'est pas spirituel. Va dire, oh là là, elle est émue, tellement émue. Ça, c'est l'onction. Le pasteur dit, c'est du cinéma. Elle a insulté son mari avant de venir. Quand je viens avant, je peux, quand vous, le pasteur, il n'est pas prophète. Le prophète, il voit, le pasteur, il ressent. Amen. Je le sens. Et ils peuvent te le dire, je les choque. Donc, si je veux dénoncer les têtus, il y a une têtue tellement, son entêtement a dépassé les cieux. Mais, donc, à chaque fois que tu obéis, tu déclares ton amour. Mais à chaque fois que tu refuses, paye ta dîme, non. C'est quand je veux. Mais Dieu, tu détestes Jésus. Parce que si tu lis, Jésus n'a pas arrêté la dîme. Il a dit de même de tout donner ce que tu as. Comme tu ne connais pas la Bible, tu détestes Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors, tous les jours, tu dois lire. Ils ont dit aimer Jésus. C'est, il a dit, c'est aimer sa parole plus que l'or. J'ai donné l'exemple d'Anvers. Les frères qui vont jusqu'à Anvers pour acheter l'or à leur femme, mais qui ne peuvent pas venir prier 30 minutes pour le salut des âmes. Tu détestes Jésus. Ce vendredi, nous avons prié pour le salut des âmes. Oui. Tu étais là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2. C'est ça qui lui est agréable. Ce n'est pas... l'or et l'argent lui appartiennent. Donc ça, ce n'est pas un problème. Il dit, aime ma parole plus que l'or et l'argent. Aime chercher le royaume et la justice de Dieu. Avec le reste, soit donné. Si tu es pauvre, c'est parce que tu détestes Jésus. Quelqu'un ne m'a pas dit. Amen. Moi, ma situation est en train de changer. Elle va continuer à changer. Amen. Parce que j'ai découvert que je dois mettre Jésus à la première place. Amen. Blocage. Mais il dit, cherche le royaume et la justice de Dieu. Prie pour que quelqu'un soit sauvé. Tu refuses. Eh bien, tu détestes Jésus. C'est radical. C'est dans la Bible. Aimer Jésus, c'est s'attacher à lui. Je m'attache. On ne s'attache pas à un homme. Un homme peut te décevoir. Dis-moi bien. Amen. Mais s'attacher à Jésus-Christ, qui est infaillible, ne te décevra pas. Nous avons dit, aimer Jésus, c'est aimer son nom. Son nom est attaché. Aimer Jésus, c'est haïr le monde et ce qu'il propose. Le psaume 119, 158 dit, je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Tu ne peux pas être pote avec moi. Tu me dégoûtes lorsque tu refuses sciemment comme ça de ne pas obéir. Il dit, voilà, il faut refuser. Quand on dit qu'un homme, trois femmes, un pour le matin, un pour le midi, un pour le soir, on dit c'est normal. Et tu es pote avec ces personnes? Non, ce n'est pas possible. Tu dis, oh, je vais les évangéliser. Tu n'arrives même pas à lui dire que Jésus t'aime. Tu vas évangéliser où? Jésus l'aime malgré son péché. Jésus l'aime, il doit se repentir. Donc, on ne peut pas être copain. Aimer le Seigneur, c'est accepter l'espérance de la vie éternelle, nous avons vu. Aimer le Seigneur, c'est demeurer dans sa parole. Jean 15, 17, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, vous là, vous avez. Et j'ai terminé avec le dernier point. Je suis content parce que j'ai interrogé ma fille hier. Parce que c'est comme ça, pour savoir si au moins une personne a entendu, tu commences par ta famille. Je dis, aimer
La Bible dit aimer Jésus, c'est aimer les autres. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un. C'est un. Ah, je suis béni. Moi, je suis un pasteur béni. Parce que toute l'église a dit tu es un menteur si tu dis avec le frère, ça ne passe pas. Avec ma soeur, je ne le supporte pas. Mon frère, nous voulons une église stable et durable. Amen. Donc, il ne peut pas y avoir des conflits non résolus ici. Si tu aimes, tu dois pardonner. Amen. Si tu aimes, tu dois appliquer. Va voir règle. Et tu ne peux pas envoyer les gens en enfer, j'ai dit ça. Chaque fois que tu refuses de prier pour des gens, c'est que tu les envoies en enfer. Celui qui n'aime pas son frère, qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Tu dois être concerné par ceux qui vont en enfer autour de toi. Toi, j'ai l'onction, j'ai les dons, mon frère, ça te sert à quoi? Va dans la rue, dis à quelqu'un, voici ce que Dieu me dit. Dieu me dit que tu as tel problème, tel problème, tel problème. Donc toi, lui, il va résoudre. Tu as tous les dons, tu es grand prophète, grand prophétesse. Tu as les dons de connaissance et tout ça. C'est juste que tu viens l'exercer à l'église, mon frère. Je n'ai pas besoin que tu viennes l'exercer ici. Va l'exercer dehors à un païen. Que le païen réalise que Dieu est en toi. Dis avec moi. Même dans ta famille. Donc, aimer Dieu, c'est aimer les autres. Dis amen avec moi. Amen. C'est m'aimer avec mes défauts. Si mes défauts te dérangent, prie pour que Dieu enlève les défauts. Amen. Tu ne vas pas bien dire amen. Amen. Je t'énerve, gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour être ton copain. Tu dois m'aimer. Un point près. Je dis, tu dois m'aimer. C'est un genre, tu dois m'aimer. Tu n'as pas de choix. Tu dois m'aimer. Là, maintenant, je ne crie plus. Laisse-moi poser. Mais tu dois m'aimer même quand je crie. Si tu ne m'aimes pas, tu m'envoies en fait, je ne crierai pas. Mais tu dois m'aimer. Si j'ai des défauts, tu dois prier pour que Dieu les corrige. Au lieu d'aller te plaindre au syndicat des pasteurs. Ça n'existe pas. Un pasteur qui se trouve dans son syndicat, il est comment dire, il est dégradé. Maintenant, les pasteurs doivent refuser que d'autres enfants viennent se plaindre de leur pasteur. Je n'accepterai pas que quelqu'un vienne à balancer sur son pasteur. Je te dis, va prier. Amen. Donc, si on vient te balancer sur moi, j'espère que ça s'est arrêté hier. Amen. Toutes les fois, on a prononcé mon nom devant toi. Je partirai, merci. Ta réponse est immédiate. On va prier pour le pasteur. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Ah, tu ne me dis pas bien amen. Amen. Ça veut dire que tu es le bureau des plaintes anti-pasteur. Alléluia. Amen. Oh, le frère Élisée, prie pour le frère Élisée. La sœur Katia, elle m'énerve. Si on va prier pour la sœur. C'est ça l'amour de Jésus. Donc si tu ne fais pas ça, tu es un gros. Tu es un gros. Tu es un gros. Il n'y aura pas ça ici. Alléluia. On peut avancer. Nous étions arrêtés là. Maintenant, la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est ok, maintenant nous savons ce que c'est aimer Dieu, mais c'est comment le faire? C'est ça la question. Comment? Frère, il faut que tu doives noter. J'ai décidé que je n'allais pas vous projeter, vous allez tout noter. Tu es béni, mon frère. Il vous aime tellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, notre frère là-bas? Il vous aime trop. Il vous aime trop. Donc, j'ai dit aujourd'hui, non, vous avez copié. C'est trop facile. Après, on critique les pasteurs. Ils n'ont pas d'onction, c'est pour ça qu'ils font des points à pointe. Oh, j'ai déjà entendu. Les mêmes pasteurs disent, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'onction qu'ils font des points à pointe. Non, je suis allé à l'école. C'est avec ça que j'ai appris. Donc, quand je tape, je fais des points à pointe pour expliquer. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Alors, comment Dieu veut que nous l'aimions? La réponse se trouve dans Luc 10, verset 27, et Marc 12, verset 28. Nous allons prendre plutôt Marc 12, verset 28, mon frère, s'il te plaît. Marc 12, verset 28. Marc 12, verset 28 dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, les Sadducéens, c'est ceux-là qui ne croient pas à la résurrection, par exemple. Il dit, voici le premier.
Écoute, Marie-Laure, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Comment tu dois aimer? Bien-aimé, j'ai une chanson que j'ai du mal à chanter, mais ça s'appelle « Fou de Jésus ». Je suis fou, 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 Jésus, c'est ça, hein? Fou de Dieu, ah, pardon. Dieu veut que tout ton être l'aime. Comment? De tout ton être. Il y en a, ils aiment dire avec leur esprit. Dès qu'il s'agit d'émotion, non, ne me corrige pas. Moi, je suis rancunier depuis toujours. Donc, celui-là, ce qu'il m'a fait, non. Dieu réclame tout. Dis à ton voisin, réclame tout. Parce que mon frère, ma soeur, tu n'es pas un, tu es toi. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire que Dieu ne veut pas seulement que ton esprit soit conservé irrépréhensible, des grands spirituels. Dieu, j'ai le don de connaissance, mais dès que j'ai fini de donner le don de connaissance, je peux aller voler au magasin. Oui. Et ils sont capables de trouver là où l'argent est caché, ils utilisent le don de connaissance pour... Non, mon frère, esprit, âme et corps. Comment tu dois aimer Jésus? C'est de tout ton être entier. Dis Amen avec moi. Amen. Que veut dire aimer Dieu, dans le détail, avec son esprit? Mon frère, ma soeur, écoute bien. Comme c'est l'enseignement. Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu régénère lui accorde un esprit nouveau. Donc, cet esprit-là ne résonne plus comme ce que tu avais, puisque tu étais mort. Donc, il y a une nouvelle relation avec Dieu qui est d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas, dès qu'on va t'insulter, tu vas vouloir aller gifler. Quand je suis tenté par quelque chose, tu sais ce que je dis? Je dis, je suis esprit. Quand une femme passe comme ça, elle dit, ouais, elle est belle. Je dis, je suis esprit. Amen. Quand je dis, je suis esprit, je lui dis, la nature de Dieu est en moi. Et la nature de Dieu n'accepte pas la convoitise. La nature de Dieu n'accepte pas d'autres dieux. La nature de Dieu n'accepte pas le mensonge. Donc, dans ton esprit, il y a trois choses que je vais t'expliquer. Quand Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton esprit, il dit, il y a ta conscience. Quand le bien devient mal et que le mal devient bien pour toi, tu commences à détester Dieu. L'exemple du mensonge. Lorsque tu commences à accepter un peu de mensonge, c'est que ton esprit commence à détester Jésus. Lorsque ce qui est bien devient mal, il y a ta conscience. Romains 9, verset 1, je vous le donne. Dans ton esprit, il y a la partie où tu es en communion avec Dieu. Dieu veut une communion parfaite avec toi. Dis Amen avec moi. Je vais tout doucement. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Amen. Tous les jours, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit te dit, ne fais pas. Ou fais. Si tu n'entends pas, c'est que tu détestes Jésus. Tu es en train de tuer ta conscience. Mais si on peut lire Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, adorent l'esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'exercice spirituel de l'adoration est un exercice de l'esprit. Si on te force à adorer, c'est que tu détestes Jésus. Quand on dit élevons Jésus, il faut te supplier, il faut t'encourager 20 ans. Allons, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Le groupe de louange se fatigue.
Parce que toi, tu n'es pas esprit. Celui qui est esprit, quand on dit élevons Jésus, il est le premier à lever la main. Amen. Aimes-tu Jésus? Tu ne peux pas être si elle ne pas adorer. Placer Jésus plus que... Donc, je suis en train de casser tout ce qui peut tuer cette église. Comprends. Si on dit, dis quelque chose à Jésus, tu refuses. C'est que tu n'es pas esprit. Ou tu es ton esprit à péché. Un des péchés de l'esprit, c'est d'adorer d'autres dieux. C'est-à-dire les problèmes ont pris la place de Dieu dans ton esprit. Est-ce que ça va pour le moment? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dans ton esprit, il y a la partie où tu reçois. Cette partie-là qu'on appelle l'intuition. Dieu te parle tous les jours, mon frère, ma soeur. Mais lorsque tu refuses d'écouter, Dieu veut que ton esprit accepte ce qu'il te dit. Pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train de te parler à ton esprit. Ça veut dire que quand tu vas à Jésus, ton esprit doit être pour Jésus. Pas pour les problèmes, pas pour les soucis, pas pour ce que l'autre t'a fait. Pas pour... Tu comprends? Si pendant que je suis en train de te parler, ton esprit pense à ce que tu vas manger à midi. Tu n'aimes pas Jésus, mon frère. C'est parce qu'on ne te l'a jamais dit. On a tout accepté. Bethania, je suis adorateur. Alors je t'explique les clés qui vont me permettre de rester en haut. Parce qu'il dit, vous m'adorez, je viendrai. Comme l'adoration, c'est d'abord une question d'esprit. Tout ton esprit doit être pour Jésus. Alléluia. Amen. Tu comprends? Amen. Ensuite, il dit, aimé de toute son âme. Qu'est-ce qu'il y a autour dans ton âme? Trois choses. L'intelligence pour comprendre. La volonté. Et l'émotion. Aimer Jésus, d'abord c'est un exercice spirituel, mais c'est un exercice de l'âme aussi. C'est en croyant de son cœur. Mon frère, ma soeur, le pasteur Sheila a dit vendredi, pour ceux qui étaient là, il nous faut de l'intelligence pour comprendre ce que Dieu dit. Si tout ce que je te dis là, tu ne comprends pas, c'est que ton intelligence a besoin d'être éclairée. Parce que le message est très haut, mais je le présente très simplement. Dans ton âme, il y a ton intelligence. Ton intelligence n'est pas seulement pour les cours, pour calculer les maths, pour calculer les sciences physiques. Ton intelligence est d'abord pour comprendre la parole de Dieu. Donc toute personne qui cherche à comprendre la parole de Dieu, le psaume 119 dit que Dieu donne l'intelligence par sa parole. Donc aimer Dieu, aimer Jésus, c'est lui offrir ton intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Proverbe 2, verset 10. Vous lirez à la maison. Proverbe 2, verset 10. On peut vous projeter. Allez. Proverbe 2, verset 10 nous parle de ça. Deuxièmement, dans ton âme, il y a la volonté. 2 Chroniques 22, verset 19. 2 Chroniques, verset 19, dit, 2 Chroniques 22, verset 19. 19. Dans le découpage. Alors, mets-moi... Job 7, verset 15. Job 7, verset 15. Ok. Je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ses os. Lis le verset 16. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. C'est quel cri ça? C'est le cri de quelqu'un qui est désespéré. Or, celui qui a Jésus-Christ ne peut pas désirer la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si tu es là, je n'en peux plus, je veux mourir. C'est que tu n'aimes pas Jésus. Envie de suicide, tu n'aimes pas Jésus. Envie de tout abandonner, tu n'aimes pas. Ça nous arrive tous, je veux. Non. Jésus veut que tu aies de l'espérance. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen. Donc la volonté, la Bible nous dit,
d'appliquer notre cœur et notre âme à chercher Dieu. Ça, c'est Néhémie qui parle. Levons-nous et bâtissons là où tu te trouves. Dieu ne te permet pas d'abdiquer. Dieu ne te permet pas d'abandonner. Amen. Toute personne qui abandonne maintenant, je sais de quoi je parle, n'aime pas Jésus. Amen. Oh. C'est des gens, hein? Jésus a-t-il abandonné? Il est allé jusqu'à la croix. Amen. Donc aimer Jésus, c'est faire comme Jésus. Je dis à quelqu'un, arrête de te plaindre de s'aimer. Aimer Jésus, c'est vouloir aller jusqu'au bout. Dis amen avec moi. Voilà pourquoi ta volonté doit être offerte en sacrifice à Jésus. Seigneur, je n'y arrive pas. Je te donne ma volonté. Ne retiens pas ta volonté. Dans ton âme, il y a tes émotions. Tes émotions. Est-ce qu'on peut lire le psaume 42? Le psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Est-ce que tu soupires après Jésus? Même toi qui veux te marier, soupire après Jésus, il va te donner la femme ou l'époux que tu cherches. Amen. L'époux ne va pas t'amener au ciel. Jésus, lui, t'amène au ciel. Amen. Si tous les jours, tu ne soupires pas, donc tes émotions doivent être pour Jésus d'abord. Si tes émotions sont pour Jésus, tu ne haïras personne. Tu ne détesteras personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si c'est déjà le cas, il va te transformer. Puisqu'il veut trouver ton âme irrépréhensible, il va t'améliorer. Quelqu'un qui n'aime pas pardonner ici, est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu as la rancune, on dit tenace. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est parce que je veux faire un geste pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la rancune tenace ici? Lève la main, je vais te dire quelque chose. Tu n'aimes pas pardonner. Je sais qu'il y a au moins une personne. Tu veux que je te dénonce? Tu me regardes, je te regarde. Tu me regardes, je te regarde. C'est une sœur. Tu me regardes, je te regarde. Tu veux pas? Je vais partir avec ce que je dois faire parce que tu vas recevoir quelque chose maintenant. Ton cœur est tellement lourd, dès qu'on te souffle dessus, tu gardes en les en prison. Tu n'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Hein? Ah, je pars avec le message. Tant pis pour toi. Mais je te promets quelque chose. Dans quelques jours, tu viendras me voir dans ton bureau, dans mon bureau. Et tu diras, je suis bloqué. Je te dirai, pars. Je ne veux pas te recevoir. Tu reviendras encore. Tu reviendras trois fois avant que je ne te reçoive. Parce que tu as méprisé la pensée de Dieu ce matin. Moi, je te le dis avec sourire. Que le Seigneur te bénisse. Tes émotions. Donc, aimer Jésus, c'est tourner ses émotions vers lui en premier. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. C'est ce que tu dois dire. Maintenant, aimer Dieu avec son corps. C'est quoi aimer Dieu avec son corps? Quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un enfant de Dieu? Dans ton accoutrement, dans ton habillement, dans ta façon de paraître, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Quand mes enfants sortent, je les scrute de la tête jusqu'au pied. Tous les parents vont être confrontés à ça. L'enfant qui n'a jamais été, qui a été préservé, quand il grandit dans le monde, il va vouloir faire s'habiller comme eux, marcher comme eux. Non. Si tu es converti, ton apparence doit refléter l'intérieur. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit? Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Ton maquillage. Hier, on a maquillé ma femme. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé.
Mes enfants m'ont dit, papa, tu vas tomber à la renverse. Je dis, non, je ne vais pas tomber à la renverse parce que je suis esprit. Il faut que je sois en esprit. Oui, si c'est pour moi, si c'est pour elle, mais est-ce que quand on la voit, on dit que c'est un pasteur? Aimer Dieu avec son corps, ça commence déjà là. Dis amen avec moi. Amen. Ayez des parures qui glorifient Jésus-Christ. Amen. Pas d'extravagance. Vous êtes belle, vous êtes beau. Il n'y a pas besoin de faire comme celle qui a l'ombre pointue qui va jusqu'à la terre là. J'ai oublié son nom. Gloire à Dieu. Amen. Ton comportement, vous êtes des lettres que Dieu envoie dans le monde. Des lettres vivantes. Amen. Ton comportement. Quand tout le monde vole, tu ne peux pas voler. Amen. Ton attitude. Bien-aimé, tous les païens ne vont pas lire en toi. Ils ne peuvent pas. Par contre, ton comportement, c'est ça, aimer Jésus. Amen. Ton comportement. Vous êtes des lettres écrites que Dieu envoie dans ce monde. Des lettres. Tu ne peux pas aimer Jésus. Ton corps, c'est une chose. Le Seigneur nous a repris, mon épouse et moi. C'est la discipline. Si tu dors à 3h du matin, est-ce que tu peux te lever à 4h du matin pour prier? Hein? Si tu regardes Netflix jusqu'à 3h du matin, tu commences la série, tu veux finir la série. Je ne suis pas contre Netflix. Mais arrête-toi à 11h. Hier, Dieu m'a fait quelque chose, il m'a enlevé le sommeil. C'est comme si on allait me tuer. Je dis, Seigneur, je veux dormir, tu ne dormiras pas. Je dis, j'ai quitté mon lit, je suis allé dans le bureau, j'ai tout fait. Mais ce que j'ai compris, mon frère, ma soeur, aimer Jésus-Christ, c'est aimer dans la discipline. Amen. Quand il faut dormir, il faut dormir. Amen. C'est faire attention à ce qu'on mange. Oui, mon frère, ma soeur. Oui. Je me mets dans le lot. Trop de viande. Mais tu ne tiendras pas. Je vous dis la vérité. Mon poids de forme, quand je jouais au foot, c'était 1m30. C'était 70 kilos. Imaginons à 45 ans qu'on me donne 10 kilos en plus. Je dois être à 80, frère. Là, je suis à un peu plus de 90. Tu aimes Jésus? Mais est-ce que Jésus peut m'envoyer partout dans cet état? Tu es fatigué? Les jeunes, là, quand l'âge tourne, vous avez toutes les conneries que vous avez faites, ça vient là. Oui? Trop de McDo. Les cuics. Tu aimes Jésus? Mais n'oublie pas que 1 Corinthiens 3 dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple du Saint-Esprit ne peut pas être dégueulasse. Tu aimes Jésus? Prends soin de ton corps un peu. Amen. Jeune soeur, lavez-vous bien. Amen. Sentez bon. Amen. Mettez le déodorant. Amen. Comment tu vas pouvoir aller évangéliser si tu pues des aisselles? Je veux prier pour toi. Donc, tu vas lever la main comme ça. Moi, je vais jusque dans les détails. Amen. J'ai un nez comme ça quand je viens quelque part. L'esprit communique à l'âme qui communique au corps. Qui dit, tu aimes Jésus? Mais brosse-toi les dents. Amen. Ah, vous croyez que je raconte des bêtises? Nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Amen. Ambassadeurs de Jésus. Amen. Est-ce que Jésus sent mauvais? Non. Jésus est en toi. Pendant 3 jours, tu ne vas pas te laver. Tu es en jeûne, mon frère. J'ai appris, un pasteur m'a dit, frère, déjà quand tu jeûnes, notamment quand tu jeûnes à sec, ton corps dégage quelque chose.
Si Dieu va me le dire, bon, tout le monde va savoir que tu jeûnes. Arrête de ça. Quand tu sens bon, dis qu'il jeûne. Quand tu sens mauvais, viens là. Ah, c'est parce qu'il est en jeûne. Frère, lave-toi, parfume-toi. Personne ne doit savoir que tu es en jeûne. Amen. Tu aimes Jésus. Amen. Tu aimes Jésus. Amen. Prends soin de ton corps. Amen. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Les efforts de discipline que je n'ai pas fait, je suis en train de les payer. 1m70, le poids de forme, c'est 70 kilos. Alors je t'encourage, frère. Si tu avais fait des excès avant, arrête. Je n'ai pas dit. Le passé, c'est le passé. Hein? Amen. Le passé, c'est le passé, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, cher, dors tôt. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ne m'appelle plus trop tard. Parce que tu es mon excuse pour rester réveillé. Non. Ne m'appelle plus trop tard. Parce que j'ai décidé, par de cette semaine, de dormir tôt. Amen. J'ai du boulot, je dois prier pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes Jésus? Amen. Prends soin de ton corps. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Mais la clé de cet amour, c'est le cœur. Voilà pourquoi la Bible te dit, prends soin de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Tu peux me le mettre? C'est quelle version? Toi, tu as quelle version? Ok. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Dans ton cœur, voilà ce qu'il y a. Il y a la conscience qui est dans l'esprit et le reste de l'âme. Intelligence. Volonté. Émotion. Ton cœur. Ton cœur. Quand le diable veut détruire un homme, il attaque son cœur. Il attaque en mettant des désirs qui ne viennent pas de Dieu. Quand un foyer est instable, le diable va envoyer l'adultère. Mais comment tu vas t'attacher à une femme comme ça? Et dès que tu as fini, il te dit, voilà, nous sommes ensemble. Le cœur, dès que tu ouvres à l'envie, la porte à l'envie, le gossip, tout ça là, le diable vient, on est ensemble. Aimer Dieu de tout, c'est que ton cœur doit te donner à Jésus. Tous les jours, tu dois dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, même si au début ce n'est pas bien vrai, je t'aime, il va mettre son amour. Garde ton cœur. Ton cœur est d'abord pour Jésus. Amen. D'abord pour Jésus. Dis-moi amen. Amen. Garde, si je veux paraphraser, je dirais, garde ton cœur plus que toute autre chose, car il appartient à Jésus. Amen. Quelqu'un m'entend. Amen. Donc aimer Dieu comme il le veut, c'est de tout ton être, il n'y a pas de partie. C'est tout l'être qui doit lui être accordé. Amen. Amen. De toute ta force. C'est de toute ton énergie, toute ta capacité. Tout ton, tu dois être capable de faire 10 km. Il te demande de faire 10 km. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je réponds à la question comment je le fais, en fait, il s'agit de passer du temps avec Jésus pour qu'il t'éteigne sur toi. Plus tu passes du temps à méditer la parole de Dieu, plus tu passes du temps à lire, à prier, à faire l'exercice. Jésus-Christ, c'est comme si, tu vois, il sort d'ici. Je parle en image. Je prie que tu vois ce que je suis en train de dire. C'est comme si il sort d'ici et rentre en toi et il commence à enlever tout ce qui n'est pas de lui et il installe l'affection pour lui dans ta vie. Personne ne pourra rabaisser Jésus devant toi. Amen. Si on est encore capable d'insulter Jésus devant toi, c'est que tu ne l'aimes pas encore assez. Voilà pourquoi il dit par son esprit, il veut répandre son amour en toi. De toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Tout le monde n'a pas vu Jésus ici. Est-ce que tu as vu Jésus? Mais c'est mystérieux, tu es sûr qu'il est là, n'est-ce pas? Tout le monde, est-ce que tu as vu? Tout le monde n'a pas vu Jésus. Mais la foi t'atteste, son esprit, pendant que je te parle, tu es sûr que Jésus est en toi. Ce Jésus ne peut pas être négligé.
il ne peut pas être délaissé, il ne peut pas être abandonné. Alléluia. Alors passe du temps avec lui. Prie. Cherche, je ne peux pas le faire pour toi. Expose-toi à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce, il y a des bons prédicateurs. Mais écoute les prédications. Je n'ai pas, j'ai peu de révélations. Il y a d'autres qui ont plus de révélations. Écoute, ce sera pour l'avantage de l'Église. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même, j'écoute. J'écoute. Dès que je peux, j'écoute. J'écoute. Je m'expose. Si un jour je m'exposais à la parole de Dieu, j'ai reçu un transfert. J'ai senti la puissance de Dieu venir en moi. J'écoutais le nom de Dieu. Mon frère, baisse Netflix. Écoute la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas encore. Écoute mes anciens messages. Dieu te visitera. Amen. Écoute, moi j'écoute. Je vous l'ai dit, le bishop, Dieu me l'a montré. J'écoute. Je coupe date et voir. Je coupe béni. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Dès que je peux. Je ne mange pas tous les midis. Je ne mange même pas. Si on ne me force pas, je suis là. Je cherche un message à écouter. Je vais exposer. Les vrais prédicateurs, les faux, mon esprit te dit, lui-là, dis ça. Les vrais, le Saint-Esprit, écoute. Prie. Tu pries 5 minutes, maintiens au moins les 5 minutes. Ne baisse pas. Jésus va t'amener à 6. Amen. Tu médites 2 minutes, maintiens les 2 minutes. Amen. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas trop. Je dis 2 minutes, maintiens. Demain te passera à toi. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut te bénir. Et je vais terminer ceci en te disant les bienfaits que tu vas trouver dans l'amour de Dieu. Je vais aller très vite. Ce n'était pas le cœur de mon message. Si tu as compris que tu dois aimer Jésus, je veux t'encourager. Donne-moi 5 minutes, puis je vais prier. Amen. Premièrement, qu'est-ce que l'amour de Dieu engendre dans ta vie? Premièrement, Jean 14, 21 dit que Dieu t'aimera. Dieu m'aime, mais non, Dieu t'aime si tu aimes son Fils. Tu ne me crois pas? Celui qui aime mes commandements, qui les garde. Celui-là qui m'aime, écoute, hein, et celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est clair, non? C'est clair. Tu aimes les commandements, tu aimes Jésus. Et tu aimes Jésus, Dieu t'aime. Alléluia. Deuxièmement, quand tu aimes Jésus, la Bible dit que Dieu te connaît. 1 Corinthiens 8, 3 dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Dieu te connaît. Troisièmement, quand tu aimes Jésus, Jésus, il t'aime. Donc Dieu le Père t'aime, Jean 4, verset 21, toujours. Dieu le Père t'aime, Dieu le Fils t'aime. Et si Dieu le Fils t'aime, Dieu le Saint-Esprit t'aime. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Quand tu aimes Jésus, il t'amène à un niveau de révélation unique. Celui qui n'aime pas Jésus, tu n'auras aucune révélation. Tu veux le verset? Amen. Est-ce que tu veux le verset? Amen. C'est toujours Jean 14, verset 21. Amen. Jean 14, verset 21, verset, et dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu veux que Jésus se montre à toi? Amen. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un veut expérimenter Jésus? Amen. Aime Jésus. Il dit, je me ferai connaître. Comment il se fera connaître? D'abord dans la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Si tu ne l'aimes pas, il a dit, je ne donnerai pas les choses précieuses à n'importe qui. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand tu aimes Jésus, il t'amène à un niveau d'amitié. Jean 15, verset 21, tu deviens son ami. Alors il te fait connaître tout. Sur tes enfants, sur ton mariage, sur ton avenir. Tu deviens son ami. Un jour, il m'a enseigné, il m'a dit, la foi amène à trois niveaux. Premier niveau, c'est le salut. Amen. Deuxième niveau, c'est la maturité. Troisième niveau, c'est l'amitié. Quand tu arrives à ce niveau, je veux arriver à ça. Tout. Il te révèle tout. Il te révèle tout. Tu veux tout savoir. Aime Jésus. Il va tout te révéler. Il te fera tout connaître. 6.
Celui qui aime Jésus est pleinement comblé. Il ne te manquera rien. Colossiens 2, verset 9. Ou Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je continue ou vous en avez assez? Parce que moi, c'est comme ça. C'est à la demande. Quand tu aimes Jésus, tu as du succès. Nous voulons du succès. Amen. Est-ce qu'on peut faire ce slogan ce soir? Nous voulons du succès. Nous voulons du succès. Nous voulons du succès. Nous voulons du succès. Je le dis pas. Nous voulons du succès. Nous voulons du succès. Nous voulons du succès. Nous voulons du succès. Voilà le secret de Josué 1, verset 8. Tu réussiras. Amen. Dans tout ce que tu as. Dans tout ce que tu entreprends. Amen. Alléluia. Amen. Tu réussiras. Lorsque nous aimons Jésus, Jean 15, verset 17 dit, Dieu répond à nos prières. Amen. Tu pries beaucoup, Dieu dit, j'entends tes prières, mais je ne vois pas ton amour. Donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivant, lorsque tu aimes Jésus, tu es éduqué comme un céleste. Tu pourras dire, je suis esprit. Quand maman Huguette va te voir, elle va dire, il est esprit. C'est-à-dire, tu as l'éducation du ciel. Amen. L'éducation du ciel, jamais tu ne tremperas dans les magouilles. Tu ne tremperas dans les magouilles. L'éducation du ciel, 2 Timothée 3, verset 16 dit, toute l'écriture est inspirée pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire. Le bishop l'a utilisé aujourd'hui, ce matin. L'éducation céleste, un chrétien doit être éduqué à la manière du ciel, c'est-à-dire à la manière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore d'autres, mais je partagerai ça mercredi. Mais je vais juste... Oui, il faut venir le mercredi. Quand tu aimes Jésus-Christ, il y a une part pour tes ennemis. Je vais te la révéler. Tu veux une part pour tes ennemis? Oui. Tu veux une part pour tes ennemis? J'aime bien les chrétiens qui disent, moi, je n'ai pas d'ennemis. C'est que tu es vraiment... Comment dire? Comment on dit en français? Foolish. Fou. Fou. Tu es fou. Je n'ai rien fait à personne. Les démons n'ont pas besoin que tu leur aies fait quelque chose avant de tout. C'est ça, de détruire. Hein? Naïveté. Naïf, des échecs naïfs. Oh, moi, je n'ai rien fait à personne. Je ne sais pas, mon frère. Tu es aveugle. Hein? Mais il n'y a pas pour tes ennemis. Tu veux savoir? Amen. Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse 3, verset 9. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour tes ennemis. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donne-moi une minute que je t'explique. Nous avons dit que celui qui aime Jésus, Jésus l'aime et Dieu l'aime. C'est ce que nous avons dit. Il dit que tes ennemis sauront qu'il t'a aimé. Comment il t'a aimé? Ils viendront. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ils viendront se prosterner afin qu'ils sachent que Dieu t'a aimé. Ils viendront. Cela, tout cela, je déclare sur ma question ta vie. Tous les menteurs qui en veulent à ta vie, ils viendront se prosterner afin de reconnaître que Dieu t'a aimé. Je déclare ce matin, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Tous ceux-là qui cherchent à t'accuser, ils viendront se prosterner devant toi. Se prosterner devant toi. Et ils reconnaîtront que Dieu t'a aimé parce que tu aimes Dieu. Amen. Je déclare ce matin sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu as décidé d'aimer Jésus. Son Père te connaît. Amen. Son Père t'aime. Amen. Alors, tous ceux qui en veulent à ta vie, ce matin, le choix que tu as fait, c'est un choix qui plaide pour toi au ciel. Amen. Ils viendront. Je dis, ils viendront. Amen. Je dis, ils viendront. Amen. Si Jésus est mon Dieu, même cette semaine, même la semaine d'après, tu recevras des coups de fil. Amen. Ils vont dire, nous reconnaissons que tu es avec toi. Amen. Ça acclame le Seigneur ce matin.
faire mieux pour Jésus. Je peux faire mieux pour Jésus. Je peux faire mieux pour Jésus.